Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui sur Digames, on se rend sur une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement faire une présentation, enfin donc un haul été 2021. Donc alors, juste, voilà, régler ça, voilà. Donc c'est un haul 2021, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 articles, enfin non, le 6ème article il est pas acheté. Le 6ème article je l'ai depuis ultra longtemps, j'ai la boîte d'origine, j'ai tout, et je voulais jamais présenter bah, parce que j'y pense pas. Et là je me suis dit... Connexion, let's go, c'est parti. Bon, du coup, je vais le garder pour la fin, voilà. Donc, je vais tout simplement commencer par un t-shirt à Bisbee. Alors, le gars m'a donné un sac Comas juste pour un t-shirt. Et il m'est arrivé un petit truc à Bisbee. Donc voilà. Alors, je vais vous raconter en vous montrant le t-shirt. Non, d'abord, je vais vous raconter. Donc, en gros, genre, bon, je prends le t-shirt et tout. Et je l'essaie, il me va... Déjà, il me va bien. Et donc du coup bah, genre je vais à la caisse et à la caisse le gars il scanne l'objet et tout, je donne la carte du coup bah, parce que j'ai une carte à Bisbee et je donne bah, nom, prénom, adresse et code postal et le gars il me fait merci, au revoir. Je lui ai dit je paye pas. Il me fait non, il y a 100 points sur la carte. Du coup bah, ce t-shirt là bah, je l'ai pas payé, je l'ai eu gratuitement parce qu'en fait quand t'as 100 points c'est 15,99€ offert. Et ben, le t-shirt coûte pile 15,99€. Du coup, ben, écoutez, je vais le présenter comme ça. Donc, alors là, non, en fait, j'aime pas. Donc, voilà, donc, alors, il y a juste marqué BSB là, au milieu, comme ça, et c'est très, très beau. Et j'en avais aussi un peu comme ça, avec des bandes, un fila, j'avais, avec ben, le band pareil, un peu plus serré, avec marqué le F de fila, mais bon, je l'avais depuis la 5ème et j'ai grandi, du coup, ben, il me va plus du tout. Il me va très, très court et il me sert beaucoup, beaucoup. Du coup, ben, c'est pour ça que je l'ai donné, je crois. Je l'ai donné ou vendu. Non, je l'ai pas vendu, je vends pas du tout mes trucs. Soit je les donne, soit je les mets au truc pour les enfants, c'est pour ça. Donc, écoutez, ben voilà, c'est pour ça. Alors il est trop trop beau, donc alors l'avant, ben, il y a des bandes comme ça. Et l'arrière, ben, il y a également des bandes, mais sans le B, Z et le B. Voilà, en plus, ce que je trouve mais vraiment magnifique, c'est qu'il y a une barre, je sais pas si vous allez bien voir, entre les lettres et c'est pépite. C'est vraiment mais trop beau. Il est vraiment magnifique. Non, je vais la mettre comme ça. Il est vraiment magnifique. Et donc, bah, c'est quelle taille? C'est XL et je l'ai pris à Bisbee. Alors, en fait, le L m'allait bien, mais il m'allait un peu court. Genre, le L m'allait bien, il m'allait un peu court. Et du coup, bah, le XL me va, mais à merveille. Il me va à merveille, le XL. Donc, voilà. Oh, je suis fatigué parce qu'en gros, genre là, c'est le premier samedi où les magasins sont réouverts à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'y reviens juste. Du coup, ben, j'en ai vraiment marre. Il y avait des gens de partout. C'était la galère, mais vraiment la galère, la grosse galère. Et j'en ai marre. Bon, par contre, je suis pas trop coiffé. Je suis allé chez les coiffeurs, mais bon, je suis pas du tout coiffé. Bon, bref, bah les couilles. Donc voilà. Après, on va tout de suite commencer par un autre t-shirt. Que j'ai acheté à People Paradise. Alors j'ai jamais rien acheté là-bas, mais je sais qu'ils font des trucs beaux. Et vu que les magasins étaient rouverts et qu'il n'y avait pas la queue dans ce magasin, je me suis dit c'est parti, let's go. Donc alors le sac est très voyant, mais le t-shirt n'est pas du tout. Donc c'est tout simplement un t-shirt Levi's tout blanc avec là du coup le petit Levi's brodé ici. Voilà. Ouais, le petit Levi's brodé ici. Il est trop beau. Donc alors, il est ultra sobre, mais il est magnifique, vraiment tout blanc, genre tout blanc. Et il est de qualité, hein. Après c'est Levi's, voilà, il est de très bonne qualité. Et lui, bah écoutez, il y avait plus, enfin, il y avait du L, mais du coup j'ai pris XL, et le XL en fait, il me va à merveille. Parce que Levi's, ça taille un peu cintré, du coup, bah, le XL m'allait à merveille. De toute façon, il n'y avait plus de L, donc voilà. Et j'ai essayé XL, et en fait, le XL me va comme du L, un minuscule plus grand. Mais il me va trop bien. Et là vraiment j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Et lui du coup je l'ai acheté 25€. Voilà, 25€ je l'ai acheté. Et bah, en vrai ça va pour du Levi's. Voilà, bon c'est pas que c'est pas cher. C'est que genre bah, en fait c'est abordable. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc celui-là bah, il est magnifique. Je vais le remettre dans son sac. Il ouvre son sac. Voilà. De toute façon après je vais tout jeter, hein. Enfin le sac je jette tout là. Là c'est juste pour la vidéo là que j'ai le sac. Sinon on va les couilles. C'est pour ça. Donc voilà. Alors après on a quoi? On a encore 4 trucs. En sachant que je garde lui pour la fin. On va prendre, allez, celui-là. Donc ça c'est vraiment été. Donc c'est bah, un maillot de bain. C'est un maillot de bain de la marque Superdry.
Donc voilà, alors il y a juste le petit 0,9. Bon, en fait, j'aime bien, mais j'aurais préféré que ça soit 15. Parce que 15, je suis né le 15 octobre. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, le petit 0,9, il passe bien. Il est très 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 sympa. Donc voilà, donc là du coup, il y a rien derrière. Hein. Franchement, il y a rien derrière. Il y a juste un petit truc comme ça où il y a marqué Super Drive dessus. Et sinon, l'avant, ben, il est très sobre, mais il est magnifique. Genre, l'avant, il a un. Je sais pas, l'avant a un truc. Genre, en plus, regardez ça. Regardez ça, c'est trop trop beau là. Comme c'est cousu fin. On dirait je suis sponsorisé, mais en fait regardez, genre c'est ultra satisfaisant de faire ça. Et en plus genre c'est rouge, noir, c'est trop trop bien, je trouve ça trop trop beau. Et lui, bon ça du coup ça c'est du L. Voilà, donc ça c'est du L. Et il m'a coûté 34,99€. Donc lui du coup je l'ai acheté à Intersport et j'ai pas de sac. Bon, balèque, mais bon. Voilà, ça aurait été mieux de le présenter dans un sac. Et voilà, bon il m'a coûté 40€ donc. À mes souhaits. C'est très 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 abordable. Donc surtout pour la marque Superdry, c'est assez abordable. Alors, on va plier tout ça, de toute façon il n'y a pas de sac. Donc je le mets tout dans mon cul, il n'y a pas de place. Alors. Après on va continuer par les claquettes. Bon, ben, je dis ce que c'était sans aucune pression, c'est pas grave. Oh, dynamique. Donc, du coup, c'est des claquettes champions. Alors, je les ai pas encore essayées. Je les ai aussi achetées à Intersport avec le maillot de bain. Celles-ci, elles m'ont coûté 25€. Oh, 25€. Là. Tu vois? Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est des claquettes champions. Eh ben, je vais les essayer. Je vais pas faire du suspense. Alors. Aïe, ah oh putain, je me suis cogné le petit orteil. Alors, est-ce qu'elles me vont bien? Eh ben, c'est nickel, regardez. Alors, comment je peux faire ça? Voilà, c'est bien comme ça, non? Bon, vous voyez rien, mais oh, vous bah, les couilles. Alors, bon, de toute façon, vous voyez rien. C'est pas grave. Donc, voilà, donc là derrière, il y a marqué le champion. Voilà, et le champion, c'est moi. Donc, je suis insupportable. Donc voilà, donc alors il y avait aussi tout ça, ben, toute la claquette noire, où il y avait également ben, tout ça en noir et ici en rouge, mais j'aimais pas, ça faisait trop pas beau. Voilà, sans dire de méchanceté. Non, rien, rien. Alors voilà, et donc ben, les claquettes. Alors, je dis n'importe quoi, mais pourquoi j'ai dit sans méchanceté? Mais bon, bref. Donc voilà, donc c'est les petites claquettes, elles sont comme ça et elles sont ben, magnifiques. Elles sentent le neuf. Ah, elles sentent le neuf. Alors, je vais me taper des sniffs de claquettes, ça va faire du bien. Alors, après, on a tout simplement un sac de Petrol Park. Vous savez que pratiquement à tous les halls, il y a du Petrol Park maintenant. Vous connaissez, vous commencez à connaître la chaîne. Donc voilà, alors, c'est un t-shirt. Ah, mais alors, sors-toi, mon petit. Alors, donc, c'est un t-shirt Calvin Klein. Voilà, avec des petits CK de partout. Il est trop trop beau. Moi, Calvin Klein, j'ai rien. Et il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc, je l'ai acheté pour le prix de. C'est marqué en où? Ah, c'est marqué là. 40€. Donc voilà. Alors, ça, c'est l'article le plus cher. Enfin, entre guillemets, le plus moins abordable. Parce que c'est vrai, un t-shirt 40€, ça fait cher. Ça fait cher, un t-shirt 40€. Donc, ça, c'est le truc. Entre guillemets, le moins abordable de la vidéo, parce qu'après, sinon, les claquettes ça va, les t-shirts ça va, et le maillot de bain ça va. Donc voilà. Et il est trop trop beau. Donc là, c'est l'avant, et l'arrière, ben, il est pareil. Hein. L'arrière est totalement pareil. Hein. Et franchement, je le kiffe. Je le surkiffe ce t-shirt. Il est très 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 beau. Et ça me gratte le pouce. 2 minutes. C'est bon. Donc voilà. Si vous entendez la musique, c'est normal, hein. Je suis pas seul chez moi et ça écoute de la musique à fort. Il n'y a pas de fin de phrase, mais bon. Voilà, donc il est trop 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 beau. Il est tout noir. Donc moi, c'est sûr que je préfère le blanc pour l'été, mais en fait, le blanc il était horrible parce que du coup, les Calvin Klein ils étaient en noir et ben ça ressortait pas bien du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, ça ressortait pas bien du tout. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Tac. Ah, mais il rentre même pas. Voilà. C'est bon? Voilà. Tac. Et donc voilà. Alors je vais vous présenter le dernier objet. Putain, oh, le Bayern il gagne 2-0. 2-5. Non, je dis n'importe quoi. Le Bayern il gagne 5-2 contre une équipe que je ne connais pas. Mais bon, il gagne quand même, c'est très bien. Alors, donc, c'est un bijou. La vie en or. Alors, je sais pas si c'est la boîte d'origine. Je sais pas si c'est la boîte d'origine où on m'a donné la boîte.
Je crois que c'est la boîte d'origine. Donc voilà, c'est pour ça. Donc alors, je sais pas si vous l'avez deviné, mais bon, rien qu'à l'emballage, on peut le voir, c'est tout simplement un bijou en or. Donc c'est tout simplement un truc que je vous avais jamais présenté, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et donc c'est en fait ma chaîne de baptême. Donc voilà. Donc je suis Balance, je suis né le 15 octobre 2006, pardon. Je suis le en 2006, c'est bien ça. Donc cette année, c'est le bac, c'est le brevet, hein? C'est le brevet, voilà. Donc j'aimerais bien quand même qu'on soit reconfiné, juste pour pas qu'on ait le brevet. Voilà. Donc là c'est Balance, je crois que vous l'avez assez vu. Donc on va l'enlever avec la petite mousse. Et donc, hop, je sais pas si j'avais déjà mis sur YouTube. Je pense que oui, j'ai déjà dû la mettre sur YouTube. Donc voilà, alors elle est très 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 fine et elle me va très courte. Très court, très courte. Donc, tac. Alors, je te mets, voilà. Donc elle me va là, en vrai, attendez, si j'enlève mes chaînes de macaque. Alors, non, en vrai, ça va. Je croyais qu'elle m'allait plus court que ça. Oh non, mais en fait, ça va. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mise. Mais en fait, passé un moment, il y avait des nœuds dessus. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un que je connais de les enlever. Et cette personne l'a fait. Et je la remercie, même si je l'ai déjà remercié. Quand même, il faut être poli. Alors, j'ai un grain aujourd'hui. Je crois que c'est les magasins. Je crois que je suis excité parce que j'ai enfin fait les magasins. Ça fait 8 ans que je voulais y aller. En plus, j'avais besoin. Genre, j'avais plein de trucs à faire. J'avais des cadeaux et tout à faire. Donc, c'est pour ça. Alors. Tac, tac, tac. On va remettre ça. Ah oui, aussi, du coup, la personne m'a donné une petite épingle. Une petite épingle pour pas que ça s'en mêle. Bon, j'ai pas compris. Mais bon. Ok, d'accord, ça marche, ça marche. Mais ça marche. Tac, et voilà. Et donc ça, je le mets ici. Voilà. Donc, bah, voilà, les gens, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel article vous avez préféré. Pour moi, je pense que c'est soit les claquettes, soit le t-shirt Calvin Klein. Franchement, un des deux. Un des deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime tout. Donc bah voilà les gens, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Rudy Games et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!